Et salut tout le monde, c'est Jack B9, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Bone Lab et au programme d'aujourd'hui, nous allons faire des petites expériences. En effet, on se retrouve dans un terrain d'entraînement qui est parfait. C'est Timéo et Ethan qui nous ont donné rendez-vous ici même. Alors par contre, le problème c'est que je pige pas trop où ils sont. Genre, ils m'ont seulement dit ça et pour me localiser, c'est comme ça. Le problème c'est qu'on les voit très très bien ici. Mais par contre, où est-ce qu'ils sont, je sais pas. Vu que bah, y a littéralement personne. Genre... Je suis tout seul, j'ai cherché même dans cet hélicoptère et trouvé personne. Ils m'ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Et ils m'ont dit qu'au passage on avait plein de trucs à tester. Donc je suis venu. Attends, par contre c'est quoi cet endroit? Pourquoi? Attends, mais non, mais là il y a un problème sur les tailles. Enfin bon, pas grave, je les laisse dans leur délire, c'est pas trop grave. Ouh putain, par contre ça c'est dangereux, je voudrais pas que des gens viennent à tirer. C'est pas chargé. Oh, j'ai pas de munitions aussi, putain. Bref, en attendant que je prenne mes munitions, n'oublie pas le petit like, voilà, bien évidemment. Vous n'hésitez pas, on peut liker tous ensemble dans 3, 2, 1, let's go. Oh là là, c'est incroyable, c'est la MSMC de BO2, putain, ça fait si longtemps. On la garde, attends, quoique, en vrai, est-ce que ça exploserait pas ça par hasard? Ok, non, ça n'explose pas, j'avoue, j'ai eu un peu trop d'attente à ce niveau-là. Par contre, je comprends vraiment pas où ils peuvent être, vraiment, là. Attends, ça c'est un capteur, et on voit clairement... Oh, leur point, ok, leur point apparaît. Enfin, ouais, ils sont clairement là. Me dis pas que... Oh putain, non, est-ce qu'ils sont pas tout en haut? Attends, mais... Ok, j'ai clairement l'hélicoptère là, mais je sais pas l'utiliser. Donc, est-ce que l'échelle serait pas plus simple? Le problème est... Comment je peux passer? Ok, comme ça, nickel. Oh, en plus, il y a des attaches à esquiver. Ok, on abandonne, ça va être hélico ou rien. Wow, faut se baisser très très bas. On y va comme ça en mode bonhomme. Oh là 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 là. Attends, on va déjà fermer? Non, on va peut-être laisser ouvert. Non, on va laisser ouvert, c'est dangereux. J'ai jamais utilisé d'hélicoptère. Je crois qu'il y a un truc avec les hélicos en mode... Bon, là, je crois que ça va être pour avancer, ça pour reculer, ça pour aller à gauche et à droite. Non, à gauche et à droite. Ouais, ça marche mieux comme ça. Et ça va être au bas. Mais je crois qu'il faut tirer pour monter et pousser pour descendre. À moins que peut-être qu'il y a un truc en mode... Tu vas d'un côté... Tac, attends, j'essaie de visualiser. Ok, c'est la merde. Déjà... Oh, les lumières. Hein, over, ça doit être un mode stationnement. Ok. Ah ouais, là on recule. Là, on avance. Ok, là, on se décale sur un côté et là sur l'autre. Ok. Non. Non, faut pas s'avancer près de la tour. Par contre, ça, on va éviter. Oh, je peux voir bien. Oh, mais attends, mais il y a même des câbles sur le côté. Oh mon dieu, mais il y a des câbles sur le côté. Ok, mais vous savez quoi? Touche à rien à ça. Oh, ça tangue. Non. Wow, le backflip. Je vais vomir. Wow. Attends, je ferme les yeux un peu là. Ça balance beaucoup. Ah, j'ai fait 2 minutes de vol. J'ai déjà un backflip à mon actif. C'est. Wow, c'est pas mal. Ah, ça m'a fait transpirer des mains. Comment j'ai les mains, moi? Attends, on arrive à toute vitesse là-bas. Wow. Ok, ah oui. Oh, ils les voient, ils sont en tout petit là. Attends, mais ça va être ultra compliqué. Tac, nickel. Ok. Là, on est en stationnement normalement. Ok, on est encore un peu loin. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Clairement se rapprocher. Non, ok, là, je suis vraiment bloqué. Oh, ça va être tendu de fou. Hein. Oh. Non. Oh non. Oh, mais c'est long. Attends, mais en vrai. Oh, mais ça dure vachement longtemps. J'ai le temps de plus avoir peur. Oh, il devrait avoir peur. On est de retour. Faut se décaler encore un tout petit peu. Oh, je crois que là, on est un peu trop. Oh, là, on est parfait. Ok, je peux pas sauter. Oh, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Oh, je vous cause. Timo et Ethan, qu'est-ce que... C'est qui ce mec? Pourquoi il est en train de s'accrocher là? Vous vouliez le balancer? Mais attends, mais les gars, qu'est-ce que... Vous avez coincé Eminem dans la barrière? Putain, mais... Ah, par contre, ferme ta gueule. Vraiment ta gueule, là tu fais trop de bruit. Vous êtes complètement taré. En gros, vous veniez pour me montrer Eminem. J'aime bien Eminem, ok. Qui n'aime pas Eminem? Mais putain, j'aurais préféré Travis Scott déjà. Hein, voilà, entre nous, Travis Scott, Post Malone. Pour la prochaine fois, à la limite. Mais j'aurais aimé qu'il soit en vie. Je crois que t'es coincé là. Eminem, je suis formel, je sais pas comment t'as fait ça. Comment il s'est. Attends, c'est une jambe comme ça. Le bras, lui, comme ça. Hop, pour revenir là. Comme ça. La tête maintenant. Oh, la tête est. La tête. Oh non, je me suis coincé aussi. Appelez les pompiers. Timéo, éteins. Non, je me suis coincé aussi. Non. Ok. Eminem, tu vas te démerder, désolé, là vraiment. Comment tu vas, Timéo? Ok, Timéo, le sort a voulu que tu restes avec nous. Ah, toi aussi, t'es coincé? Non, nous fais pas une Eminem. Ne nous fais pas une Eminem. Ok, il nous fait une Eminem. Timéo, non mais. Non, là par contre, Timéo, t'abuses. Là, t'as vraiment pas beaucoup de trucs de coincé. Hein. Je vais te sortir de là, Timéo. Ah, toi aussi. Désolé, Timéo. Non, là, t'étais coincé, t'étais vraiment totalement coincé. Mais non, mais comment tu peux être aussi con? Non, mais c'est trop d'être aussi con. Je te chope par les couilles. Et là, hein. Là, ça marche. Putain, la chute est vraiment longue, hein. On le voit carrément plus au bout d'un moment. Je suis tombé comme une merde. Que d'un étage, heureusement. Tac, là, je passe par là. Ah, en fait, tu l'attrapes de ce côté-là. Je pensais que c'était pas possible de l'attraper de ce côté, mais c'est totalement possible. On en apprend tous les jours, hein. Ok, j'ai posé un mur. Ne me demandez pas comment, c'est la magie. Allez faire un petit truc juste avant. Ah, le petit truc juste avant, vous allez voir, ça va être très très simple. Ça va être de faire crash ce putain d'hélico qui me casse les couilles avec ces bruits. Bon là maintenant le truc drôle c'est que c'est simple, faire scratch un hélico, hein, rien de plus simple. Tu fais comme ça. Oh putain. Ah non, là c'était pas prévu. Ok. Hop là, parfait. Wouh. Je me cracherai pas avec l'hélico en tout cas. Ça va être l'expérience du mur les mecs. On a personne donc il va nous falloir des nouveaux cobayes. On va commencer par notre pote Steve. Là maintenant. Ah non. On peut voir que j'ai enlevé une brique du mur. Parce que ce mur est destructible. Donc normalement là on peut faire une super scène d'action où on envoie Steve.
On refait, t'es prêt? Oh, ok, parfait. Et là où j'envoie Steve. Ah ouais, ça a bien marché. Putain, mais en plus, ça fait un effet trop stylé dans le mur. Quand le mur est resté construit un peu. Il nous faut toujours plus de Steve. Je le smash comme ça. T'es prêt par le cul, hein? T'inquiète pas, on peut recommencer. Attends, mais pourquoi ça marche plus? Oh! Oh! Attends. Où est-ce qu'il est passé entre le moment où il est passé le mur et là? Ah, t'as voulu faire genre t'étais mort et tout comme ça. Hop là, hop, oh non, pas une brique du mur. Voilà, parfait. Regarde-moi ça, Steve, t'as voulu faire genre t'allais pas pouvoir souffrir? Bah si. Regarde-moi ça un peu. Tu vas voir. Hop là, comme ça, parfait. Et là, tu tombes bien. Il est naze là maintenant mon mur. Ok, maintenant on va tester qu'est-ce qui est le mieux entre le mur et le lance-melon. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, je pensais que le lance-melon allait faire moins de dégâts. On va pouvoir créer une meilleure fenêtre. Ah, il y a un peu de briques qui tombent. Ah voilà, ouais, là la fenêtre. On se fait une grande baie vitrée. Hein. Oh là, mais attends, je suis en train de faire s'effondrer tout le mur là. Là, c'est incroyable. Je peux casser au milieu, mais je peux pas casser les contours. Ok, nickel, parfait. On a une belle grande fenêtre pour lancer les choses. Le lance-flamme. Est-ce que le lance-flamme a des dégâts? Le mur. Je pense pas. Ok, il met feu à un mur en brique, d'accord. Pas de soucis à ce niveau-là. J'ai pris des dégâts de feu. Non, ils prennent feu, mais ça leur fait rien. Putain, ça fait des dégâts par contre. Le feu, faut vraiment faire gaffe, hein. Le feu, ça brûle, les gars, faites gaffe, hein. Ok, maintenant, j'ai ramené plusieurs choses avec nous. Je sais pas pourquoi j'ai fait apparaître ça, mais vous posez un peu trop de questions, les gars. D'accord. Voilà, je voulais une caisse enregistreuse. C'est ma passion. J'ai une passion pour les caisses enregistreuses. Ça, c'est un petit café, voilà, si j'avais soif. Enfin. J'ai pas soif, donc bien sûr n'oubliez de pas polluer. Voilà, ce que je fais là bien évidemment c'est dans un jeu vidéo. Ça ne pollue pas dans la vraie vie. Maintenant on a deux armes qui n'ont aucune chance de détruire ou de faire bouger ne serait-ce qu'une brique de ce mur. J'ai nommé un pistolet à bulles et un pistolet à confetti. Donc vous l'avez très bien compris, les deux contre une brique n'ont normalement dans la vraie vie aucune chance. Maintenant, des fois, sur un malentendu, je me dis, il peut se passer un truc dans ce jeu et que l'un des deux arrive à faire bouger une brique. Donc on va demander à la boule de cristal, est-ce que c'est possible? Ok, la boule de cristal est vraiment très intelligente parce que pour le coup, elle a répondu non. Et elle a mis des confettis. Ah, alors donc peut-être qu'elle se dit, s'il y en a un qui a une chance, c'est peut-être celui de confettis. Donc si ça vient être ça, ça fait vraiment flipper. Donc on va commencer par les bulles parce qu'apparemment, d'après elle, il n'y a aucune chance. Non. Oh mon dieu. Ah, on est vraiment dans un jeu vidéo pour le coup. Ah, pour le coup. Non, je voulais un peu moins de briques là. Voilà, un peu moins de briques ici aussi. Cette brique là, elle peut dégager. Voilà, tombe. Bon, bah apparemment, les bulles ont marché. Ou peut-être qu'ils disaient que non, justement, les confettis font rien. Maintenant, est-ce que les confettis marchent? Est-ce que. Non, déjà, j'ai pas besoin de mettre de chargeur. Ah non, les confettis, aucune chance que ça marche. Ouais, non. Les confettis, pour le coup, c'est logique. Donc voilà, là, on va poser un nouveau mur. Un beau mur. Timo et Ethan, avant de tomber dans le vide, ils m'ont dit qu'il y avait une petite surprise en haut. Alors, le truc, c'est qu'il y a deux en haut. Il y a un en haut juste au-dessus. Et un haut où c'est vraiment en haut. Bien évidemment, je pense que ça va être le en haut. En haut. Et vous, là, comme d'habitude dans la vidéo, ça va se passer en 2 secondes. Et moi, par contre, hein, bien évidemment, ça va durer voilà le temps. Voilà le temps de tout monter comme ça. Oh, mais ça m'a l'air limite plus simple de monter par là. Genre, t'as une échelle et le mec qui monte en s'accrochant au tube à côté de l'échelle. Dans la vraie vie, j'ai pas spécialement le vertige. T'as forcément un peu des sensations de vertige quand t'es très très haut. Mais je pense en vrai, la VR pour les gens qui ont le vertige, c'est soit ultra désagréable, soit ça peut les aider de fou. Ok, on est tout en haut et le. Oh! Oh! Oh, un nimbus, j'ai envie juste de faire ça. On va faire un départ de nimbus comme vous avez jamais vu. Dans le mur et d'exploser le mur. Ok, à la une, à la deux, à la trois. Mais non, c'est... Ah les gars, faites comme si le mur était intact s'il vous plaît. À la une, à la deux. Oh, ok. Ça fait mal un mur comme ça, à sec, ça fait mal. Je plante le balai dans le mur à chaque fois. Mais à un moment on va passer au travers, ça va être stylé, vous allez voir. Oui, je l'ai dit. Oh putain, non mais non, le nimbus ne marche pas. Faut monter. Faut me remonter. Est-ce qu'on m'entend? On doit m'entendre mitrailler les gâchettes et que ça ne serve à rien. Oh si, wouh. Wouah, wouah, wouah. Même Harry Potter il faisait pas aussi bien. Oh c'est dur de piloter. Non. Là on va littéralement s'écraser. C'est de redresser. Non, wouah. A chaque fois ça fait peur quand même de s'écraser. Oh, ah ok, vous savez. Tout ce qu'on a balancé ça a forcément atterri quelque part. Wouah. Ouais non mais là Steve, what the... Comment il est arrivé Steve au sol? Wouah, ah oui non mais là l'hélicoptère il est plus du tout utilisable. Oh, l'hélicoptère il est tombé sur Ethan. Enfin presque du moins. Ethan a eu énormément de chance. Bon, oh, t'as l'air d'avoir rien de cassé en vrai, c'est bon. Portal gun, alors voilà parfait. Là on en a un comme ça. Donc normalement maintenant il faut qu'on remonte tout en haut. Et là normalement je lance le portal gun juste là. Oh putain. Ok donc là on arrive tout en bas. Wouah. Wouah, oh la boucle. Oh et ça me TP d'en haut en bas. C'est tellement le meilleur mode ça aussi. Attendez, hop. J'essaye de se faire un petit saut, nickel. Wouah, attends j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est trop. Ça peut faire de en haut à en bas mais pas de en bas à en haut. Non. Wouah. Ok, on va rester calme, ça vient. Oh comment c'était violent. Ça marche mais à moitié. Donc finalement moins cool que ce que je pensais. Ok maintenant parfait. On a une hamster ball, est-ce qu'elle est lourde déjà à porter? Non elle est pas lourde à porter. On va aller mettre un mec dedans. Oh.
Ok, parfait. Ok. C'est Glitch Trap de Five Nights at Freddy's. Il est terrifiant. T'es dans ta petite boule. Vous pensez qu'il peut la déplacer? Oui, il peut clairement la déplacer. Ok, oui. Oh, est-ce qu'il va survivre? Oh, j'ai l'impression que oui. Oh, vite, on aurait pu aller à la réception. Oh là là, attends, il a réussi à s'en sortir. Ou alors, ça a totalement bugué. Ok, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Ok, non, ça devient trop flippant là. Non, j'ai pas signé pour ça. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un meilleur like et me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jack Bay9 et sur ce, à plus, tout le monde.